second, please. I'm going to die, aren't I? No. Say I'm going to die. Ma'am, say your prayers. Oh, we're not. I'm going to die. We're going to think faster because you got to help Ethel to get off the floor. Stay calm. Please, God. You're doing a good job, ma'am. It's so hot. I'm burning up. Regarder ce documentaire, rappelons qu'il ne s'agit que d'une thèse. Une thèse sur les attentats du 11 septembre qui n'engage que ses auteurs, même si, vous allez le voir, ces derniers sont persuadés d'avoir découvert la vérité. Ce film de 80 minutes réunit tous les ingrédients d'un pur documentaire d'investigation. Remontés à bloc, ils sont près de 300 venus des quatre coins du pays. Face aux forces de l'ordre, ils accusent, selon eux, ce n'est pas Al-Qaïda qui a attaqué leur pays le 11 septembre. Les pompiers décrivent deux événements compatibles avec une démolition planifiée. Les flashs lumineux à l'intérieur du bâtiment. Et plusieurs crépitements avant l'effondrement de la tour. C'est à l'angle est de la tour sud qu'on a enregistré la température la plus haute, 747 degrés Celsius. Celle de l'acier en fusion dans le sous-sol était deux fois plus élevée. Vous croyez encore que le kérosène a détruit le World Trade Center ? Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici. 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 Et là. Comment on aurait pu mettre des bombes à l'intérieur sans que personne s'en aperçoive? Un analyste financier qui travaillait dans le World Trade Center a parlé à People Magazine d'un nombre inhabituel d'exercices d'évacuation dans les semaines précédant le 11 septembre. Plusieurs sections des Twin Towers et du WT-7 ont ainsi été évacuées pour raisons de sécurité. Daria Korb, agent de sécurité dans la tour nord, a révélé à Newsday que ses collègues et elle travaillaient 12 heures par jour pendant les deux semaines précédant le 11 septembre. Mais le jeudi 6, les chiens de recherche d'explosifs ont brusquement été emmenés. Durant
huge toolbox of reels of cable walking around the building that weekend. Others reported that the security alert was inexplicably lifted 5 days prior, and bomb-sniffing dogs were removed. What would the dogs have discovered had they remained on duty? Qui a autorisé tout ça? Le frère du président Bush, Marvin Bush, a fait partie du comité directeur de Securacom de 1993 à la fin de l'année fiscale 2000. Securacom, aujourd'hui rebaptisée StratSec, est une société de sécurité électronique financée par Kuwait American Corporation. Elle est chargée de la sécurité de United Airlines, de l'aéroport international de Dulles et du début des années 90 jusqu'au 11 septembre du World Trade Center. C'était une attaque psychologique contre le peuple américain et elle a été exécutée avec une précision militaire. Vous voyez ça? On prétend que c'est avec ça qu'ils ont menacé les passagers des avions. Un cutter. C'est avec ça qu'ils auraient fait peur aux pilotes? Vous y croyez vraiment, vous? De tous les événements du 11 septembre, c'est celui qui a provoqué la plus grande confusion. L'avion a été abattu, l'avion n'a pas été abattu. En fait, certains éléments suggèrent que le vol 93 était très loin de Shanksville. J'aimerais qu'on passe à Chris Kennecke. C'est un photographe de la Fox à Pittsburgh. Il était là-bas il y a quelques minutes. Chris, j'ai vu les photos, on dirait qu'il n'y a rien à part un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on voyait d'où on était, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres arrachés. On voyait des gens travailler et arpenter la zone, mais d'après ce que j'ai vu, il ne restait pas grand-chose. Pas de gros débris? Non, rien qui permette de voir qu'un avion venait de se crasher là. De la fumée, des flammes? Non, c'était calme. C'était très calme. Il n'y avait rien du tout. Pas de fumée, pas de flammes. Wally Miller, médecin légiste de Somerset County, a déclaré au Houston Chronicle « On aurait dit qu'on avait jeté des morceaux de métal du ciel. » Au Washington Post, c'était comme si on avait pris une benne de ferraille, creusé un trou de 3 mètres et tout balancé dedans. Concernant les passagers, j'ai compris que j'étais inutile au bout de 20 minutes car il n'y avait aucun corps là-bas. Et au Pittsburgh Review, je n'ai jamais vu la moindre goutte de sang. Pas une goutte. C'était une opération des Israéliens et de la CIA. Quel aurait été leur but et leur intérêt? Vous devriez poser cette question aux Israéliens. Pourquoi vous ne demandez pas à l'ambassadeur d'Israël en France? Pourquoi vous ne demandez pas à M. Sarkozy? Vous pensez qu'il était au courant? Je ne sais pas. C'est un sioniste, un juif. Coupable désigné, le gouvernement Bush aurait orchestré lui-même les attentats du 11 septembre pour justifier l'invasion de l'Irak et faire main basse sur son pétrole. Ça a juste été un bon moyen pour eux de se faire beaucoup d'argent.